Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette petite vidéo vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog pour filmer ma dernière semaine de 2021. Là, on est lundi 27, il est 11h10. Ça fait genre 30 minutes que j'essaye de faire fonctionner ce truc. Donc en fait, Lucas m'a offert ça pour vlogger. Et en fait, sur le principe, c'est trop bien. Et quand je l'ai essayé, le jour où je l'ai reçu, il allait. En fait, ça stabilise toujours. Donc, si tu veux faire des belles vidéos de paysages et tout, ça... Bon, là, il n'est pas connecté. Mais en fait, ça reste toujours droit. Peu importe où tu vas et ce que tu fais avec. Sauf que ça se connecte avec un Bluetooth à ton téléphone. Et ça va plus. J'arrive pas. Donc, j'ai envoyé un truc... Au fabricant, mais bon, bref, ils vont jamais répondre. Hein, on connaît, on sait comment ça se passe. Donc là, je vais déjeuner. Oui, je sais, il est presque midi, mais j'ai envie de déjeuner et je vais lire un petit peu. J'aimerais le finir pour 2022, ce qui est possible. Hein. En fait, là, je suis à 58 livres lus, donc ça, c'est mon 59e et j'aimerais atteindre les 60 avant la fin de l'année. Donc je pense qu'après ça, je vais soit lire un graphique, soit un manga. J'ai oublié de vous filmer, mais en gros, il y a des bookstagrammeurs qui ont fait des concours pour Noël et j'étais partenaire d'un de leurs concours. Donc, quelqu'un a gagné une box Silverbox. Donc, je viens de la faire et j'ai aussi une commande. Donc, je viens de la faire aussi. Je devais vous filmer, mais forcément, j'ai oublié. Je suis pas habituée au vlog. Et là, je regarde la vidéo Mes lectures chouchou de l'année de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. C'est sympa, mais j'évite de mettre des livres sur ma liste parce que j'en ai déjà 1000. Le problème, c'est que je sais que je vais en rajouter au fur et à mesure que ces vidéos vont sortir. Mais ce n'est pas grave. Et là, donc, je suis dans mon lit. J'avais reçu un Wonderbox il y a un an, donc je vais regarder un peu à ça. Et puis, je vais lire un petit peu. Voilà. Et la box sera expédiée demain pour la personne qui a gagné le concours. Elle est au courant que ce sera expédié demain. J'ai envoyé un petit message. Puis j'espère que ça lui plaira, donc voilà. Finalement, mon. Allez. Le trépied, enfin, le truc, le stabilisateur fonctionne. On a trouvé quel était le problème. Ça venait clairement de moi. Et là, en fait, je vais manger. Attendez, parce que il faut vraiment que j'habitue à ce stabilisateur. Je suis désolée. Donc, je disais, il faut le temps que je m'habitue à ce stabilisateur. Vraiment, ça devient une cata. Ça filme pas. Si, ça filme. Là, il est 14h30. Vu que j'avais déjeuné tard, comme vous avez pu voir dans les plans précédents, bah, je dîne seulement maintenant. Donc, il est 15h et je vais dîner. Et je vais manger un truc de super, mais super healthy. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voici mon repas. C'est tout congelé, mais il y a des petites croquettes. Bon, ça va mettre au four. Mais je suppose que dans la friteuse, ça peut fonctionner aussi. Et une fricadelle, il en reste une. Donc je vais finir. Donc croquette de fromage, fricadelle. Vraiment, on est sur un truc sain. Ah oui, aussi, pendant que vous faites ça, enfin pendant que ça fait ça, je suis en train de regarder la vidéo qui vient de sortir de Anne Literarum, qui est ses livres préférés de 2021. Et ensuite, j'ai déjà celle de Chloé. Je vous montre ici. Sur son point lecture de novembre. Alors, on est mardi, le mardi 28, il est 11h46, je viens seulement de sortir de mon bain, tout est perfect. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais filmer ma vidéo de demain, parce qu'elle est toujours pas prête. Je vais préparer celle de jeudi. Si je peux la filmer aujourd'hui, je le ferai. Je vais aller poster une silver box dans un point mondial relais. D'ailleurs, là, je vais sécher mes cheveux et puis j'y vais.
Et sinon, je vais lire, franchement. Donc là, je suis en train de lire Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Et je suis à la page 326 sur 457, si mes souvenirs sont bons. Ouais, donc j'avance pas mal, franchement, c'est bien. Et j'aime vraiment bien, donc sympa. Et après, pour finir l'année, j'hésite entre. Je sais que c'est pas du tout un truc de Noël, mais j'hésite à lire le graphique de la Servante écarlate. Ou alors je reste dans l'esprit de Noël et je lis Les entraves de l'hiver. Les entraves de l'hiver est plus petit, mais bon, après le roman graphique, c'est un roman graphique, quoi. Donc ça va plus vite à lire qu'un roman. Je sais pas. On verra, vous verrez dans les prochains jours. Il est beau, hein? Charlie? Il s'en fout, je l'embête. Donc, Silverbox a envoyé RCC. Je vais juste mettre. Attendez, je vous pose 2 petites secondes. Hop, je vais mettre une écharpe. Je vais pas dehors vraiment, enfin, pas longtemps, du moins. Et mon sac. J'ai un masque. Donc voilà, on entre dans la summer car. Donc elle s'appelle Summer effectivement pour le bridge de la musique. Ouh, je suis essoufflée. La musique Cruel Summer de Taylor Swift, The Queen. Voilà. Bon ben. Go, ça 3 minutes en voiture, que je vous reprends juste après. En fait, là, je suis vraiment, enfin, l'enfer. En gros, je suis bloquée, mais donc en gros, je suis sur la route. Mon cul est clairement sur la route parce qu'il y a trop de gens au point relais et ils savent pas se garer au fond du parking les gens parce qu'il faudrait pas marcher 2 mètres de plus, et donc on est bloqué à l'entrée parce qu'en fait, entre les 2 places de parking, en fait, il y a une place de parking qui est mise super sur le côté, et honnêtement, on sait pas se garer là, enfin, c'est impossible. Et donc, on est obligé de déborder de la place de parking, ce qui fait qu'on sait pas passer entre les deux. Donc, en fait, on est bloqué à l'entrée, il y a une voiture devant moi. Bon, là, il y a une fille qui vient de rentrer dans sa voiture, mais elle n'a pas l'air très pressée de partir alors qu'elle voit qu'on est bloqué. Enfin, bref, ça me gave. En fait, ce que je vous ai dit juste avant est un mensonge. Je viens de me garer sur cette place et, enfin, moi j'ai une petite voiture en même temps, mais elle rentre parfaitement. Donc voilà, je viens de déposer mon colis Mondial Relais. Et voilà, je vais démarrer, je vais rentrer chez moi, je vais dîner parce que j'ai faim là. Il est midi 8, j'ai pas encore mangé de la journée, donc j'ai la dalle. Je mange des spaghettis bolo avec mon papa. Je vais regarder quelques vidéos et puis après, oula. Et après, je vous filmerai la vidéo demain. Je préparerai celle de jeudi. Et en fait, je peux peut-être déjà filmer celle de vendredi. Enfin bref, je vais regarder pour faire ça. Et pour finir mon livre aujourd'hui, eh bien, je vous reprends cet après-midi. Je suis déprimée, mais vraiment déprimée. En gros, ça fait. Je suis restée 3 heures à la maison pour détapisser et il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai fait ça. C'est tout. C'est tout. En fait, c'est trop de la merde. Les 2 premières couches de papier, elles s'enlèvent super bien. Et puis les 2 dernières couches, parce qu'il y a 4 tapis, les 2 dernières couches, elles collent leur race, quoi. Donc je dois revenir demain. Et demain, je ne sais même pas si je vais réussir. Enfin, si je vais aller de ce côté-là, mais moi j'aurais aimé finir toute la pièce, quoi. Mais je crois que ça va pas être possible, donc ça me gave, j'ai envie de pleurer, franchement. Je me suis cassé le dos là pour 1/8 de mur, franchement. C'est pas trop de la peine. Putain que ça me gave. J'ai méga mal au dos, j'en peux plus. Ça part assez facilement, mais en fait, il y a ça
cette espèce de papier effet bois. Je sais pas si on voit bien. Et bref, ces deux couches-là, c'est l'enfer. Mais genre, l'enfer. D'ailleurs, il y a plein de petits bouts partout que j'ai pas réussi à décoller, même avec la machine. Je crois que demain, en venant ici, je vais passer au Brico chercher un produit à mettre dessus et je vais essayer avec ça aussi. Mais franchement, je sais pas, j'avais été tapissée une fois dans ma vie et ça avait été super bien parce qu'il n'y avait qu'une seule couche de tapis et ça avait été trop bien, trop facile. Et là, c'est l'enfer. Et pourtant, je me disais que ça allait être facile. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Donc, voilà. Donc, les murs sont. Putain, les murs sont dégueux en plus. On va devoir les replafonner, je crois. Ouais, enfin bon, bref, là j'ai nettoyé, enfin j'ai balayé tout ce qu'il y avait à terre. Je vais aller faire des courses parce qu'il faut mon repas du nouvel an et il faut. Putain, j'ai tout bleu, genre de froid. Et il faut mon repas de ce soir. Donc. Après, je rentre, je prends un bain chaud parce que j'ai froid. Et j'essaye de tourner la vidéo pour Coucou demain. les gars, je vous reprends, je suis fatiguée, vous imaginez même pas, je viens de filmer ma vidéo pour demain. Oui, je suis en avance moi, je filme mes vidéos au jour le jour, très bien Marine, et n'hésite pas à être organisée la prochaine fois. C'est pas grave, un peu d'adrénaline et tout, j'aime bien. Donc vous avez vu, j'étais un peu tristounette avec le papier peint, mais bon voilà, ma maman m'a dit que c'était normal, qu'elle aussi à la maison, elle avait mis des week-ends entiers à détapisser, que c'était pas grave. Donc voilà, c'est juste que je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que le tapis partait super vite et j'avais pas vu qu'il y avait deux couches en dessous. Donc forcément, voilà. Dont une couche où il y a eu de la peinture dessus. Non mais enfin, les gars, n'hésitez pas à détapisser un jour en fait. Et arrêter de refoutre dessus, dessus, dessus. Mais bref, c'est un autre débat. Du coup, la vidéo qui sort demain, mais que vous aurez déjà vu, hein, je vous la mettrai ici, c'est 12 livres à lire en 2022. Donc en fait, un livre par mois. Bref, j'ai envie. Attendez, on m'appelle. Donc c'était ma maman. Moi ce que je vais faire là c'est que je vais ranger les livres qui sont du coup là étalés sur mon lit. Et je vais lire un petit peu, me poser. Et puis vers 20h je vais commencer à cuisiner parce que Lucas revient vers 21h parce qu'il finit à 20h le travail, il a 1 heure de route. Donc. J'ai oublié de vous montrer quand je cuisinais. Je suis vraiment une pire vlogueuse. Donc en gros, j'ai fait, regardez-moi bien, des petits brownies au chocolat qui vont être bientôt prêts, je pense. Ensuite, on a, attention, quelque chose fait maison. Et oui, purée d'épinards, toute faite, du Delhaize. On est comme ça ici. La friteuse. Et bien là, car il y a des rostis, je vais aussi faire des petites courgettes que je vais faire maintenant. Et alors, j'ai fait le Graal, attendez. J'ai fait ce petit tartare de saumon Annette Philadelphia jus de citron. Et les gars, c'est une tuerie. Il y a le petit apéro qui est prêt, qui sont saucissons et petites crevettes à tremper dans de la cocktail. Je suis hyper essoufflée. J'ai juste monté mes escaliers. Je suis vraiment. J'ai aucune endurance. C'est vraiment une honte. Attendez, je vais vous poser parce que là. Voilà. Alors, avec cette lampe, c'est pas terrible, mais. Donc, on est le 31. Il est 14h23. Je suis quand même sortie de mon bain. Et là, je vais me préparer. Donc, je me suis dit que pendant que je me préparais, on pouvait discuter un petit peu. Après, il va falloir que je range parce que vous voyez que j'ai des vestes à ranger. Enfin, bref, des vêtements. Alors, j'ai ma brosse, mon lisseur. Mais ça, c'est pour après. Mon sèche-cheveux est là. Là, c'est pour défrisser la chemise de Lucas. Merde, j'ai pas pris d'eau. Ah, j'en ai là. C'est bon, on est sauvés. Mon maquillage. Mes pinceaux qu'il faut vraiment que je lave, je vais le faire. Ah ben non, je m'en vais après. Je le ferai début de semaine. Mon livre que j'ai presque fini, je suis à la page. Combien? 191 sur. Vous n'êtes pas du tout droit. 191 sur 217. Mais pourquoi vous n'êtes pas droit comme ça? En fait, je vais pas sécher mes cheveux, je vais juste les laisser sécher au naturel, je crois. Ça va moins les abîmer quand même. On va déjà les brosser, ça va déjà les tuer, les pauvres.
quand même, ces brosses-là, c'est magique. Hein. Je suis désolée, mais l'autre fois, j'étais chez une copine, j'ai dû réutiliser une brosse normale. J'ai cru que j'allais crever, mes yeux, ils pleuraient et tout. Je sais pas comment les gens peuvent s'arracher les cheveux. Enfin, après, moi, j'ai les cheveux très fins, donc ils s'en mêlent très vite. Après, si vous avez pas des cheveux qui s'en mêlent, vous avez de la chance, mais moi, c'est vraiment genre impossible. Je vois rien en retour caméra. C'est pas grave, je pense que ça devrait aller. Aïe, alors ça c'est chiant aussi, j'ai un putain de piercing en spirale, il faut vraiment que je change parce que mes cheveux se mettent toujours dedans vu que c'est en spirale. On commence par la crème, c'est vraiment... C'est important. Surtout que maintenant j'ai 26 ans, donc on va éviter d'avoir des rides. Ça me fait peur, putain. Je sais pas, vous avez pas... Moi j'ai plus peur de vieillir que de mourir. Enfin, bien que j'ai peur de mourir, mais vieillir, quand je vois les petits vieux marcher tout recroquevillés dans la rue là, ça me fait trop de la peine. J'ai... un fond de teint, c'est Maybelline, couleur ivoire, parce que je suis pâle comme un cul. Je mets une splotch. Et j'en fous partout, quoi. J'ai pas une peau horrible à imperfection, genre elle est pas nette, mais ça va. Du coup, je dois pas en mettre non plus des tonnes du fond de teint. Donc, ça va. Genre, avant, j'en mettais beaucoup quand j'avais des boutons. Mais bon, ça empirait. Et en fait, maintenant, vu que je me maquille beaucoup moins, et je mets genre le fond de teint, j'en mets presque plus. J'en mets vraiment à des occasions, quoi. Genre si j'ai un mariage ou là pour les fêtes. Mais dans la vie de tous les jours, c'est très rare. Ou alors, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire un maquillage un peu plus élaboré. Mais sinon, j'en mets vraiment plus du tout tous les jours. Même pas toutes les semaines, je pense. Du coup, ma peau est beaucoup plus belle. Genre, elle est pas magnifique. Elle reste toujours avec des imperfections. Voilà, j'ai les pores dilatés, j'ai des points noirs. Mais bon, ça, je crois que malheureusement, je ne sais rien y faire, c'est comme ça. Est-ce que j'ai l'air d'être emballée que ce soit le nouvel an? Franchement, je sais même pas ce qu'on est censé fêter. J'ai pas envie de plomber l'ambiance et tout, mais franchement, 2022, ça va être quoi? Ça va être encore le Covid? Ils vont nous sortir un pass vaccinal? C'est n'importe quoi, je suis désolée. Mais alors déjà, le pass sanitaire, je trouve ça con. Je suis pas du tout anti-vax, je suis vaccinée. Quand on me demandera d'aller faire ma troisième dose, j'irai la faire. Mais juste un moment, ça va s'arrêter à la quantième dose, en fait. Moi, c'est ça qui me fatigue. Cette année va être aussi pourrie que celle-là, je suis désolée. Le gouvernement va continuer à prendre des mesures complètement débiles. Enfin, désolée, mais là, allez, la fermeture de la culture. Je savais pas que j'avais plus de chances de choper le Covid assis au cinéma ou au théâtre que dans un supermarché où on est tous l'un sur l'autre. Pour les préparatifs de Noël. Non mais c'est une grosse blague en fait. Comment ça s'utilise ces trucs? Est-ce que je dois les mouiller? C'est des petites paillettes que j'ai reçues et en fait je les ai jamais utilisées. Du coup je sais pas comment ça s'utilise. Et déjà il faut que je les ouvre parce que vous savez j'ai acheté ça chez Dee. Et pour les Belges qui me suivent, vous savez, Dee, putain, leur putain de papier collant partout là, qu'on est obligé de massacrer tout le produit pour pouvoir l'ouvrir. Ah c'est un gave, elle arrive pas. Donc je les essaierai une autre fois parce que là j'ai pas le courage. Je vais prendre les paillettes de cette paillette là. Donc c'est la petite chewing. Je vais prendre ça pour faire mon creux de paupière. Je crois que le seul que j'ai jamais utilisé c'est le Monique. Donc let's go, on va tester le Monique aujourd'hui. Oh my god. Putain. Franchement Martine Cosmetics, j'avais jamais essayé. J'ai reçu cette palette en cadeau et... c'est quand même une tuerie. Hein. Donc je disais 2022, parce que en fait j'ai zappé à cause de ce truc de maquillage qui m'a énervée. 2022, personnellement, et j'ai envie de fêter que j'ai un chouette job, que j'aime bien, que je vais avoir des nouveaux collègues cette année, et que je suis sûre que ça va bien se passer, puisque j'ai tendance à bien m'entendre avec les gens, donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Que je suis en train d'écrire un livre que j'aimerais publier en 2022. À mon avis, ce sera plutôt fin 2022, hein, parce qu'un livre, ça s'écrit pas comme ça. Ou du moins, que je commence, enfin, qu'il soit terminé le premier jet pour fin 2022. Et pourquoi je dis que le pass sanitaire, c'est ridicule? Mais c'est parce que, alors oui, on est d'accord que si on est vacciné, ça n'empêche pas de tomber malade, ça empêche d'aller aux soins intensifs. Et apparemment... vu les statistiques, ça a l'air de bien fonctionner et je suis contente, c'est super. Mais bah, je pense, enfin, je trouve que même les vaccinés devraient se faire tester en fait. Surtout pour des gros événements, style les festivals, les trucs comme ça. Moi, ça me semble logique. Parce que du coup, en fait, les plus safe d'entre nous, c'est, enfin, qui sont là, c'est les non vaccinés, donc ça n'a aucun sens. Et pas vaccinal, non, mais c'est une blague. Un vaccin,
Le vaccin ne peut pas être rendu obligatoire, mais du coup, vous mettez un passe vaccinal. Si on dit oui au passe vaccinal, on va dire oui à quoi après? C'est ça, moi, c'est ça qui me dérange. Bon, sinon, au niveau. Ah, je change totalement de sujet. Mais au niveau lecture pour 2022, enfin mes objectifs lecture pour 2022, je vais garder mon objectif de. Enfin, non, j'avais mis 100 livres pour cette année et en fait. C'est vrai que l'année passée, j'avais lu beaucoup, mais en même temps, il y avait eu les confinements, je travaillais plus pendant le confinement, puis je travaillais en temps partiel, donc j'avais beaucoup plus de temps pour lire. Cette année, c'était pas le cas. Et du coup, j'en ai lu 61. Enfin, avec celui que je vais terminer là, ce sera mon 61e. Du coup, je vais clairement redescendre à 60. 60, ça me paraît être une très bonne moyenne de livres lus en un an. Donc, je vais rester sur le 60. Et oh non, oh putain, j'ai cru que j'avais cassé ma palette. Je vais essayer de, je vais, enfin, je vais pas essayer, je vais arrêter. Je vais arrêter de me faire des pales chaque mois, etc. Et ça c'est non, parce que ça me donne pas envie. Ça, je sais pas, j'ai l'impression d'être forcée à lire quelque chose alors que c'est pas le but du tout. Je vais vraiment lire ce qui me plaît. Je vais aussi essayer d'acheter moins et de plus vider ma pale. Mais bon, ça, je pense qu'on se le dit tous et c'est un truc assez compliqué à garder, à tenir. Ah, il est beau celui-là, il est un peu foncé. Je pense que ça va être bio. Beau, ça va être bio. Ça va être beau parce que j'ai une robe noire. Je vais juste repasser les contours au pinceau. Eh bien, écoutez, je suis assez contente. On va ranger tout ça. Là, vous me voyez en pyjama. Voilà. Par contre, mes cheveux, j'hésite à faire genre un demi-chignon, vous voyez, mais un peu lâche, genre. Je mets quelques petites mèches, enfin, comme ça. Donc, comme ça, et hop. Tu j'en fais pendre avec des petites pinces et tout. Ça peut être grave mims. Bon, ça, je le ferai dans la salle de bain avec le grand miroir parce que là, c'est un peu délicat. Mais regardez, oui, ça peut être grave beau. Crêper un petit peu ici. Regardez à ça après. Donc voilà, bah écoutez, je crois que ce vlog va s'arrêter là parce que je vais filmer ma vidéo qui sortira, qui était censée sortir aujourd'hui au moment où je vous parle, mais j'ai eu un problème, donc il faut que je la réenregistre. Et elle sortira du coup demain. Franchement, ce chit-chat, les gars, ce chit-chat, ce TikTok, ce chit-chat était pas hyper joyeux, mais bah c'est juste que voilà, j'ai peut-être une façon de voir les choses un peu pessimiste. Pourtant, de base, je suis pas quelqu'un de très pessimiste, hein, je suis assez optimiste, mais c'est juste que. C'est bon, j'ai été blasée les 2 dernières années. J'ai la flemme de n'en recommencer une encore comme ça, mais bon. C'est pour ça que j'essaye de, à mon échelle, faire des petits trucs qui se passent dans ma vie. Donc, bah là, la maison, c'est chouette, on va pouvoir emménager dedans et tout. Il y a du boulot, mais je veux dire, on va emménager dedans pendant l'année 2022. J'écris mon livre. J'espère que ça va être une bonne année à ce niveau-là, mais c'est sûr que moi, personnellement, la pandémie, elle commence à me peser un peu. Parce que je fais plus autant de choses qu'avant. Bon bah, on va finir ce vlog sur cette note un peu nulle. Je suis désolée, mais au moins on voyait un peu tout ce qui se passe dans ma tête. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.